2 minutes, comme ça j'enregistre. Et mets la voix direct sur le chat. Partie chat, autorisez votre voix à être diffusée, comme ça j'enregistre en même temps. Ça peut intéresser les collègues qui me suivent, tu vois. En même temps. Et on te laisse parler, comme ça, il n'y a plus qu'à. Autorisé pour la partie en cours. Ouais. Donc tu vas dans un serveur vide. Et puis encore, 30 heures, je suis gentil. C'est pour pas te dégoûter, quoi. Je te dis 30 heures, c'est pour pas te dégoûter. C'est pour positiver, hein. Ouais, une médaille. Vas-y, Parce qu'en explique. en fait. Ouais, il y a plusieurs endroits en fait par carte, les maps de base, hein, par les DLC. Par map, t'as 5 spawns possibles où le casque peut apparaître. Tant que personne l'a ramassé, il est là. Si tu le trouves pas, c'est que t'as pas bien cherché. Tu passes dessus, ça le ramasse, ça fait un espèce de bruit, tu sais, un peu comme. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, bien sûr, on y va à 5, on y va à 30, on le voit, tout le monde le voit, quoi. À 2, bien sûr, tout seul, tu le vois aussi. Alors, ce qu'il va falloir que je vais vous. Je vais refaire une recherche parce que ça fait. Moi, ça fait déjà peut-être 8 mois que je les ai. Je vais vous remettre les liens. Il va falloir que vous téléchargiez sur votre PC, tablette, ce que vous voulez, des décodeurs de Morse. Non, mais il va falloir Ça je télécharger des l'ai, ouais, applications en vas-y, fait. ouais. Vas-y. Il va... Non, mais Ça je vais faire attends, un il y en coup, a je vais faire un coup, plusieurs des t'inquiète. décodeurs de Morse. Ouais, vas-y, ouais. Il y a beaucoup de décodeurs de Morse en fait à télécharger. Il y en a 6. Il y en a un, c'est le décodeur de Morse normal, tu vois, tac, 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 SOS. Tu en as un autre, ça va être un décodeur de Morse. Mais en fait, la phrase que ça va te donner. Ça veut rien dire. Il va falloir la repasser dans un autre décodeur de Morse qui le fait avec plusieurs algorithmes. Et à la fin, ça te donne quelque Ça, je vais le chose. faire, t'inquiète, coupe. T'inquiète, moi, Ouais. bien sûr. Et il y a déjà, attends, je retrouve le truc, il y a déjà les. Bon alors, pour faire simple, tu trouves un casque. Tu l'amènes à un télégraphe. Là, le télégraphe, il va se mettre à s'allumer d'une certaine couleur. La première couleur, je crois que c'est vert. De mémoire. Et puis, du coup, tu enregistres ta séquence audio. Donc, faut pas qu'il y ait un bruit, quoi. Faut pas qu'il y ait une explosion, je sais pas quoi. Ça va te donner du morse, quoi. Tut, 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 tut. Ça va te donner après, comme quoi tu vas le décoder. Une fois que tu l'auras décodé, c'est automatique. Tu vas pouvoir ramasser le deuxième. Deuxième casque. Et tu peux le ramener au même poste télégraphe, sur la même carte. Et après, ton poste télégraphique, au lieu qu'il soit en vert, bah, il va être, je sais plus quelle couleur, rouge ou jaune, etc. Et ça, je crois qu'il faut le faire 7 ou 9 fois, je sais plus. Et à la fin, tu obtiens la médaille. Mais attention, tu n'obtiens pas la médaille comme ça. Ils ont fait une cinématique. Tu es obligé d'aller sur la carte, c'est quoi? Balafre de Saint-Quentin. Tu vas dans un des moulins. Alors, c'est spawn allemand. Nous avons perdu le blocus Berthe. C'est ça, ouais, balafre de Saint-Quentin. Spawn allemand, et ça doit être le deuxième moulin quand tu viens du spawn. Limite, il est derrière toi, quoi. Toi, tu vas pouvoir monter donc en haut sur l'espèce de balcon. Et tu vas attendre un peu. Écoute, tu vas attendre un peu, et il y a un pigeon qui va apparaître et qui va te passer devant. Il faut qu'il te passe entre toi et le toit du moulin. Mais ça fait des malades, ça. Ouais. Et là, t'entends un bruit. Je sais plus ce que c'est, le son. Et là, ça te marque bah, la première médaille, un début, quoi. Nous avons pris l'objectif Vous secondaire. avez trouvé quelque chose qui ne vous appartient pas, quoi. Ah, là, il faut que je fasse. Ah, Bibi, il a de comment, là? La deuxième, ça se passe sur la carte. Attends, bah, c'est peut-être celle-là, non? On est sur laquelle? Non, c'est pas celle-là. C'est celle avec le château dans le fond, tu sais? Ou point écho. Et il y a deux easter eggs d'ailleurs là sur ce château, tu sais, le panier d'easter eggs. Comment elle s'appelle cette map à la con?
Merde. Attends, je regarde les infos serveurs. Je pense que tu l'as mis en. On a quoi en carte? Ouais, dans BF4, t'as Imagine vu le truc tout ça. camouflage, c'était quand même complexe aussi. Il fallait chercher les Ah, lumières. Je c'était l'avais fait ça complexe. avec un pote, tu vois. Chercher les lumières, J'avais pris etc. l'habitude. Et après, ça te donne le truc camouflage. Et Source. ça, je voudrais bien essayer avec, avec Coupe quand même. Tu me diras les liens, j'irai télécharger les applis qu'il faut. Et Ouais, puis on en plus les fera. liens, je En te plus, donnerai lui, l'auteur de. il peut louer un serveur, donc ça peut être assez facile à faire quand même. Ça peut aller vite, tu vois. C'est pas Soissons, c'est quoi? Tu sais la map où t'as un pont au milieu là, où t'as quoi Ouais, c'est peut-être une rupture. Il y a un château dans le fond qu'on peut prendre. Ouais, c'est bah, celle qu'on est. Putain. Château, comment il s'appelle ça? Pas le château pas le château de Blitz, hein, pas celui-là. Hein. Je vois lequel. Et ben en fait, 500. ouais, Soissons. Ouais, voilà, Soissons. Ouais. Quand t'es au Et château. E en il y a D quand tu montes la colline. Voilà, il y a D quand tu montes la colline. Bah, quand t'es à E, en fait, il faut déjà avoir fait un début pour pouvoir faire la deuxième, hein, évidemment. Quand tu fais la deuxième, en fait, tu vas à l'intérieur du château. Ce qui est galère, c'est que c'est vachement noir à l'intérieur, t'es d'accord? Quand t'es à l'intérieur, c'est hyper dans un pénombre. Il faut que tu pètes toutes les lumières que tu vois dans le château, avec ton flingue, avec ce que tu veux. Toutes les lumières, c'est-à-dire les ampoules et les chandeliers. Il faut qu'ils soient tous éteints. Une fois qu'ils vont être éteints, ça vous pouvez l'essayer en partie, hein, ça marche. Hein. Vous pouvez le faire maintenant, tout à l'heure, si vous voulez. Vous allez voir, une fois qu'ils sont éteints, une fois que vous allongez au pied d'un des chandeliers, ils sont en hauteur, ils sont avec un pied, et ben là, tu as la touche carré qui apparaît. Nous avons perdu l'objectif célestin. Et attends, là par contre, ça devient rigolo. T'as la touche carré qui apparaît, t'appuies. Ça va allumer une case sur le damier du sol par terre. Le sol, c'est un damier blanc et noir. Ça va l'allumer. Il va falloir que tu arrives à faire un carré complet. Si tu n'arrives pas à allumer, parce que c'est comme tu sais dans la dernière plaque de BF4, tu appuyais sur un interrupteur, ça allumait des lumières, mais ça en éteignait d'autres. Ben là, c'est pareil. Ok. Ensuite, quand tu as le damier Objectif Anatole. qui va être complètement allumé, enfin à peu près allumé, il va pas être allumé complet, c'est-à-dire que ça va pas faire vraiment un carré, ça va faire des points dans un losange. Ces points, ça se réfère à autre chose. Quand tu sors du château, à gauche, côté spawn, tu as une statue qui est au milieu, avec 3-4 marches, et puis ça fait un carré. Attends, c'est un jeu de rôle que tu me dis là. Ah non, mais quand tu arrives sur le carré, en fait, il va y avoir des sacs de sable. Écoute, il va y avoir des sacs de sable qui vont. Comment? Il va falloir que tu remettes les mêmes sacs de sable que par rapport aux lumières d'allumer sur le losange. Ces sacs de sable, tu vas pouvoir les faire apparaître d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sortir du château, tu vas être le long des murs, il y a des pierres qui bougent et tu peux faire carré. Ah non, mais c'est un truc de malade. Ah mais c'est long. C'est un jeu dans le jeu. Non mais c'est un jeu dans le jeu. Moi j'ai peut-être passé 500 heures dessus. Depuis le début? Là, de temps en temps, je me fais une partie sur Name of the Tsar et puis je cherche s'ils ont remis des trucs, quoi. T'as pas filmé tout ça? T'as pas fait une capture d'écran, des trucs comme ça t'aurais pu le mettre sur YouTube J'ai et tout. fait une mise à jour il n'y a pas longtemps de la plaie. Non, mais enregistrer au moins les trucs que t'as fait, quoi, tu vois. À ce moment-là, les Attends, j'ai enregistrer et tout, quoi. peut-être encore des trucs en vidéo, je sais plus. Si t'as des trucs en vidéo, ça serait bien de les partager, comme ça je les mettrai aussi, ouais. Bon, là, t'as fini de toute l'explication, et c'est ça, c'est pendant les deux plaques. Ouais, mais alors l'explication là c'est vraiment vite fait. Hein. Ouais, c'est vite Si fait, t'arrives à vas-y. comprendre quelque chose avec ce que je t'ai dit, c'est beau. J'enregistre et je partage sur YouTube. Le carnage. Je te trouverai un lien. Par exemple, là t'as vu dans les nouvelles cartes qu'ils ont sorties là dans la neige et tout. Ouais. Quand tu vas sous les chars, est-ce que ça vous dit quelque chose la série qui avait existé sur en même temps que Battlefield 1943, ils avaient fait Battlefriend sur YouTube. Hein? Ça vous dit quelque chose, Battlefriend? Non. Alors, Battlefriend, c'était fait un peu à la mode de South Park.
Ouais. C'est-à-dire que tu avais des... Attends, je vais essayer de t'en trouver un de Battlefriend. Comme ça sera plus simple à comprendre. Et ils ont mis des easter eggs où en fait tu entends les voix de Battlefriend, quoi. Comme si tu entendais les voix de South Park, quoi. Et tu les entends, ils font ouais, we are, grosso modo, on est dans la merde, on s'est réfugié ici, mais la porte est fermée, comment on ressort? Bah, t'es qu'un con, quoi. C'était un peu ça, Battlefriend, quoi. T'avais Battle Noob, t'avais Battlefriend. Attends, moi, je le trouve tout de suite, Battlefriend. Je pense pas Bon, qu'il y ait ok. de nouveaux épisodes qui soient sortis. Bah, 3, numéro 3. Et je pense que ce sera dans le même délire, aussi compliqué, quoi. À moins qu'on ait un uniforme, un truc en plus, une arme, on sait pas encore. Bah déjà sur Battlefield 4, c'était un uniforme. Là, ils C'était vont un peut-être faire autre uniforme, chose. il y avait des médailles ou tu sais, des skins d'armes aussi. Attends, il y a aussi le fait. Faut pas oublier que dans Battlefield 4, on pouvait pas rentrer. Enfin, on pouvait rentrer dans Dans la l'ascenseur, station. mais il fallait que tout Non, le pas monde dans soit l'ascenseur. équipé, Je te ouais. parle du gros truc bleu là. C'était le chantier là, l'espèce de gros camion là. Tu vois les trucs bleus là, merde quoi. Ça, les grosses caisses bleues là. On pouvait rentrer dedans grâce à la Ouais, on main, nanana. pouvait, puis Et après t'avais on une pouvait plus, caméra, quoi. t'avais des escaliers. Et par contre, on n'arrivait pas à ouvrir la porte. Parce que la porte, ils disaient peut-être justement parce qu'il fallait ce jeu-là avant de pouvoir rentrer, j'en sais rien. Faudra essayer d'aller voir. Bah, moi, je me suis pris la tête avec EA suite à ce fameux container, C'est ce contrôleur, on suite pouvait rentrer surtout dedans. à comment? Le papier qui était sur le container. Ouais. C'était marqué, je sais plus quoi, Monkey. 2000, je sais plus quoi. Il y avait une date à côté. 2042, ouais, ou un truc comme ça, Et le truc monkey, en fait, c'est une expression anglaise. Si tu la traduis mot à mot par Google, ça veut rien dire. Pour un français, pour un latin, ça signifie rien, quoi. C'est comme si tu essayais de traduire en anglais, ça casse pas trois pattes à un canard. Il comprendra pas le sens. Mais le sens en fait anglais de cette expression qui était donc indiqué qui faisait rire la communauté entière et qui se foutait en fait de la gueule des Français. Que Ah. des Français, hein. En gros, ça voulait dire, c'est une expression américaine qui veut dire en fait les Français sont des pleutres, des couards, des lâches. Voilà. Peuple de lâches, voilà exactement si tu voudrais le... Voilà, peuple de lâches. Objectif Donc moi, ça m'avait fait moyennement sourire, tu vois. Eugène. Les enfoirés. Non mais sérieux quoi. C'est des ouf. Ouais, c'est vrai. Ils t'ont sorti quoi? Ils t'ont sorti quoi quand tu leur as dit ça? Bah pas grand chose, quoique c'était une expression, que ça existait, que c'était comme ça, quoi. Oh, les enfoirés. Faut le faire quand même. C'est Ah, bon. vive Dice. Putain. Allemand égale SS égale nazi, quoi. C'est le même délire, quoi. Ça fait pas plus rire, quoi. Ils nous disent en fait, c'est parce que nous, on est le peuple qui a signé l'armistice avec les Allemands, quoi. L'armistice qu'on fait pas, hein. Celui de 40, hein. Nous avons perdu l'objectif. Celui où on se prend une branlée, comme quoi. Ouais. Alors, il faut que je retrouve les liens. J'ai dû les mettre en favoris sur mon PC. Nous avons perdu Ouais. l'objectif. Enfin, parce que moi je les ai plus les liens, je les avais supprimés de Battlefield 4. Là, on doit battre depuis 1, moi. Ben, c'est plus les mêmes, hein. Ça a plus rien à voir. Ah bah moi je les ai supprimés, j'avais fait ça sur Nous avons Battlefield 4 mais. Là, sur Battlefield 1, c'est autre chose. Il y a une chaîne Wiki, hein, de toute façon. Wiki Easter Egg Battlefield 1, je sais plus quoi, Wiki Programme Fantôme, je sais plus comment ça s'appelle. À moi, Tom. À moi. C'est à moi. Et t'as pas enregistré, t'aurais dû tout enregistrer, putain, t'es con. Oh, Moi, je mais fais un c'était truc long à comme ça, genre. enregistrer quand je savais pas quand c'est que j'allais y arriver, quand on sait que j'allais pas y arriver, hein. Ah, mais là, J'avais maintenant pas que tu sais le enregistré truc, 600 heures, hein. maintenant que tu l'as fait, que tu sais le truc, tu pourrais le refaire peut-être un peu plus facilement et hop, on enregistre et voilà.
Je pense qu'il y a des vidéos qui tournent. Ouais, sûrement. Hein. La manette elle est à moi. Je n'aime pas la manette. Non. Je l'aime tout. Je mets quel là-bas. C'est moi qui le prends. Je le mets là. Ah là. Regarde, Pépé là, je me regarde. Ah. Alors par exemple, nous ce qu'on s'est servi comme convertisseur audio, c'est onlineaudioconverteur.com. Je te mettrai le lien. Il est mort. Voilà, Wiki Game Detective, c'est ça qu'il faut que tu lances. Sur iPhone ou sur PC? Sur PC, tu tapes, vous tapez dans Google wiki.gamedetective.net et vous avez tout le truc, toute la trame. Bon, au pire, vous faites traduction de la page et puis voilà quoi. Vous aurez toutes les photos, vous aurez tout ce qu'il faut. Ah oui, parce qu'évidemment, hein, chaque code morse est différent pour chaque joueur. Sur toutes les étapes. Hein. Ça c'est pareil sur Battlefield 4, hein, c'était la même chose, t'inquiète. Voilà. Battlefield 4, à part le premier, c'était la dernière étape premier qui numéro, était, qui le était, premier numéro ouais. Était pareil pour tout le monde, voilà. Mais le suivant, les autres... Mais là, c'est tous différents pour tout le monde. Hmm. Et mais ça, on tu a, peux le faire en même temps ou t'es obligé de faire un à la fois? Parce que sur Battlefield 4, on devait faire un à la fois, on pouvait pas faire en même temps. Ah ouais, c'est la merde. Une fois qu'il y a un mec qui a trouvé le casque sur une map, le casque il réapparaît pas, hein, sur la map. Ouais, donc voilà quoi. Faut faire chacun notre tour et tout, c'est complexe quoi. Ouais, c'est... Moi je dis, il faut pas le faire à 5. Faut le faire parce à deux. Autrement, quoi. Le dernier, il va attendre trop longtemps, quoi. Ce que vous pouvez vous aider, par contre, c'est qu'il y en a 5 spawn de casque. Pareil, quoi. Hein? T'as dit quoi? Voilà, quoi. Que chaque si tu te mets à 5 pour en aider un, chaque joueur se met sur un spawn possible de l'endroit où il apparaît. Et déjà, moi j'ai trouvé une astuce, ça vaut ce que ça vaut. J'ai mis en domination sur la map Montegrappa. Ce qui fait que le poste télégraphe, il est dans un bunker. Donc déjà, j'ai pas de bruit autour, ma bande son elle est propre, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien. Et puis, il y a 12 emplacements de casques qui sont en domination. Tu y as accès aux 5 en conquête. Mais en domination, si tu veux, tu peux y faire tout seul, quoi. C'est-à-dire que tu ramasses ton casque, t'enregistres ta séquence audio, tu la passes dans le premier truc de morse. Ensuite, le premier truc de morse, il va te donner une phrase. Cette phrase-là, tu l'entres dans le deuxième traducteur de Morse. T'en as 6 traducteurs de Morse. Et puis après, t'as la bonne phrase. Non, c'est compliqué. En fait, t'as rien à rentrer. Tu vois, y a pas d'option. Automatiquement, se mettre sur le. Quand tu vas chercher ton deuxième casque, quoi, en fait.
Non, mais comment lui il Moi, peut par exemple, savoir que t'as traduit le bon truc? C'est ça quoi que j'essaie de comprendre moi. Tu vois? Comment il fait le mec pour. Enfin, comment dans le jeu il peut savoir que t'as mis ça sur ton PC pour avoir la bonne je vais phrase du t'envoyer une PC pour la vidéo mettre. récapitulative. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Et je me souviens plus. Donc, Comment lui il fait pour, sa pour savoir ça quoi? Que tu t'as mis ça sur le PC? Là est la question! Mon cher Watson. attends. Ah! Oui, j'avais zappé. Une fois que t'as traduit, phrase, c'est pas n'importe quoi. Ça te donne un emplacement sur la map. Ah voilà, pour avoir le deuxième Ça te casque, du donne coup c'est comme ça qu'il une. fait Ça te, que. en fait, la phrase, elle te donne une map et un emplacement. Pour toi, aller chercher ton Va deuxième falloir que casque. tu ailles un emplacement sur la. Là, là, il va falloir que tu te rendes sur une map, Ouais. la map qui te dit, à l'emplacement, et là, tu pourras faire car. Ça validera quelque chose. Et là, ça va, en fait, ça validera comme quoi tu as franchi la route. Évidemment, une fois que tu as traduit un casque, le casque, il faut pas qu'ils aient. Il faut que tu fasses la traduction en même temps. Sinon, il faut recommencer depuis le début. Par contre, une fois que le premier casque est validé, tu peux aller faire trois parties, ne pas y jouer pendant 2 semaines, et quand tu te remettras dessus, bah, ce sera pour le deuxième casque. Il n'y aura pas besoin de refaire le premier. Mais c'est compliqué, hein. Bon, Franchement, Big. là, ils ont abusé. Bon, Big. On y va ou quoi? On est motivé? On s'y met? On commence maintenant ou pas? Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud C'est déjà qui est pour faire le chaud là en premier. fait dans le chat? Bah, moi, sans, comme d'hab. C'est bien, moi, j'ai déjà fait la tenue. J'ai déjà fait plein de trucs. Alors, là, je me mets direct sur le PC. Puis c'est parti. Bah, la tenue sur. Ah parce que sans honneur, tu l'as pas fait toi? Battlefield 4, non, j'ai fait que. J'ai pas... j'ai rien fait sur Battlefield 1 en historique. Sur Battlefield 4, ouais, je les ai tous fait. Tous les coups, je les ai tous fait. Ouais, sur Ah, Battlefield 4, on les avait tous fait, ouais. bah ouais, j'avais fait avec toi et tout. J'avais fait plein de trucs. Ça va plus ou quoi? Ah oui, si, c'est pour ça que je pensais tu les avais fait sur. Non, le 1, non, le 1, non, j'ai pas fait. Bah, je savais même pas qu'il y avait des historiques sur le 1. Je me suis dit qu'il y avait en avoir un moment ou un autre. Mais comment déjà, ils avaient pas bien fait les. Qu'on est toujours sur la bêta au niveau des. Ah, Ah comme bah il y a un oui. couple, il peut pas virer les gars et tout, tu vois. On est encore que sur la bêta, donc je me suis dit, ils ont encore pas peaufiné le bazar. Et tu me dis qu'il y a déjà des historiques, ça peut être marrant. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis les historiques là ou quoi? Ah ouais, moi ça fait, je sais pas, la plaque je l'ai depuis 5-6 mois façon. Et c'est maintenant que tu nous dis ça, toi. Tu fous Ah bah je pense que de tu vois. Tu vois là, moi ça fait des semaines et des semaines que je cherche ce qu'il peut y avoir sur In the Name of the Tsar. Alors tu me connais, j'ai sauté partout, je suis monté sur tous les toits, j'ai fouillé dans tous les wallbrèches possibles et imaginables. Et du coup, bah j'ai trouvé des spots de dingue sur des maps. Hein. Les trucs, je les mettrai jamais sur YouTube. Ah Je me bah fais trop plaisir, quoi. t'as vu déjà tout ce que j'ai mis sur YouTube, tous les bugs qu'on a déjà fait au moins. T'as regardé un coup, Bah. tous les bordels que J'ai j'avais regardé déjà vite fait. foutu. Moi aussi je monte partout, t'inquiète. Sur les plafonds, sur les toits, t'inquiète. Voilà, ils ont eu patché pas Tu mal l'as de fait trucs aussi. l'historique de cette map? Vous l'avez fait l'historique de cette map? Celle-là, Il est non. fantastique! Il est fantastique l'easter egg sur cette map. Un easter egg, c'est ce que c'est un easter egg. Et comme Battlefield 4, quand je t'ai montré tous les trucs que tu pouvais faire, là, ouais, c'est ça. Un easter egg qui a rien à voir avec le programme fantôme, hein. Un easter egg, quoi. En fait, sur cette map, quand t'es au village, au point A, quoi. Bah, faut y faire quand la map elle est pas détruite, là, elle est déjà un peu détruite. Sur les bâtiments, sur certains bâtiments, tu trouves une girouette. Ouais. Et avant de péter la girouette, il faut aller en direction bah, du sud. Voilà, quand tu es au point alpha. Et le long des barrières, tu vas trouver des bouteilles de vin. Bah tiens, il y en a une ici. Là, j'en ai une. Et bah t'en pètes une, tu les pètes toutes en fait. Attends, t'es où Vu là? du C'est là. où? Voilà, Là. vas-y. Tu vois? Ouais. T'en pètes une, pète là si tu veux. Vas-y. Avec toi. Attends, attends! Attends, attends, attends. Avec ton couteau, excuse-moi. Ouais.
Ouais, et après? Voilà, tout ce que tu veux. Après, il faut qu'on trouve les autres. Alors vas-y, j'ai pété celle avec la vachette, vas-y. Toutes. Normalement, trois. Vas-y, j'en ai déjà pété une, si on peut le faire, Faut les comme ça chercher, général, j'enregistre. elles sont vers les barrières. Vu que j'en ai pété une, Des ça fois, me t'es dit en hors map, quoi? c'est pas grave, hein. Tu cours et puis Ah là, tu reviens, il y en surtout a pas. une, il y en a une autre, je la Ah bah pète vas-y, aussi. fais gaffe, y a un joueur qui me tue. Péter la deuxième. Ok, il faut que tu trouves la troisième. La troisième, elle va être vers le mur, pas loin des barrières où on était, mais en direction d'Alpha. Il y a un petit muret avec une barrière au-dessus. Et une fois que t'as ça, ouais, Alors une là, fois que t'as ça, attends, la on troisième, va elle est où là? shooter tout. Attends, la troisième, Attends, elle est où? Alpha. Bah, Faut que je me spot mette sur dans ton moi. squad. Ah, il n'y a plus de place. Mais non, je suis tout seul dans les squads avec Coupe. Il y a un mec. Attends, je vais avec Chaos en honneur, c'est bon. C'est Là, bon. j'en ai une Tu l'as. deuxième. Là, faut. J'en ai eu deux, T'en as trouvé vas-y. combien des Deux là. deux? La troisième, elle doit être par là. De mémoire, c'est par là, c'est vers le muret. Un peu derrière. Le Comme ça, muret de cette j'enregistre maison tout là en ça. Déjà, on face. aura le premier historique, ça peut être marrant. Ah, c'est rigolo. Il doit être là. Normalement, il est là. Après, il peut être ailleurs, je sais plus. Elle doit être par là. À moins qu'elle ait été pétée. Si elle a été pétée, elle a été pétée. Pour ça qu'il faut y faire sur une partie qui n'est pas démarrée, quoi. À mon avis, elle est pas pétée si j'ai réussi à aller voir les deux là. J'en ai eu deux déjà à la machette là. Ouais, mais les deux autres, elles sont hors combat. Elles sont pas dans la zone de combat. Celle que t'as pété, franchement, il n'y a personne qui va là-bas, quoi. Ouais. Et la Bon, c'est pas troisième. grave. Essaye de shooter toutes les girouettes. Bah, t'en vois une. Ouais, il y Ouais, en a sur les là. toits. T'as pas vu la Tiens, il bouteille? y en Moi, a je une la trouve. ici, là, en face de moi, là. Attends, attends, Tu tapes dans le j'arrive. coq, hein. T'es où? Je te vois plus là. Là. Ouais. Les bouteilles. Après les girouettes. Et après, pour Vas-y. tout le monde, tu Vas-y. vois, au sud de la carte, il y a une forêt. Elle est où la girouette? Et puis au nord, bah, c'est les points C et puis Echo, quoi. Tu l'as vu où Et la bah, girouette depuis là, la c'est avec toi? forêt jusqu'à Echo, dans le ciel, il va passer trois ballons et puis une maison suspendue. Comme le dessin animé, en fait. Je sais pas si tu l'as vu. Voilà. C'est celle-là Voilà. la girouette là? Ouais, il y en a une là. T'as celle-là. Vas-y, Celle-là pète-la. là? Enfin, tu tires dedans. Ça va pas la péter. Voilà, c'est bon. Un tir, ça suffit. Ouais. Et ensuite, il y en a deux autres. Mais du coup, j'ai pas fait la dernière bouteille là, Il y je en l'ai a pas une au-dessus trouvée. du point A. Bah, ça marchera peut-être. Peut-être que toi, il te faudra que deux bouteilles. Hein. Au-dessus là, Une au-dessus de A. Moi, je l'ai raté. Tu l'as eu? Ouais, tu l'as eu. ouais. Et puis, il Ouais, y en a une troisième. Alors, je sais plus c'est quelle maison. Par contre. Faut regarder. En espérant qu'elle ait pas été pétée, tu vois, par un tir de. D'assaut, quoi. t'es où? Ah, t'es là. Je cherche la girouette, il en manque une. Il nous manque une girouette, Bon, que ce chef. soit bon. À moins qu'elle ait été pétée, tu vois, depuis le début de la partie, j'ai pas fait gaffe. Elle est peut-être plus loin, ouais. Peut-être plus loin. La fumée, j'ai. On va quand même regarder dans le ciel. Je me demande. Ouais, je pense qu'elle était sur le bâtiment principal de la maison qui a à moitié écroulé. Oh, fais chier. Et la dernière bouteille, je l'ai toujours pas trouvée aussi. Non. Mais j'en ai indiqué déjà deux. Bah, je te vois pas, t'es où? Bah, lui, il m'a dit par ici, donc j'essaie de regarder là, mais. Ah oui, il y en a une par là, ouais, t'as peut-être bien raison. Je Elle est sais où la plus. dernière? Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. T'es où là? Ouais, mais je te vois pas, coupe, attends. Mais c'est moi ça. C'est pas lui. T'as.
vous regarderez une vidéo, vous les verrez, c'est facile à faire. C'est trippant. Et tu, sur Battlefield 4, il y en a encore qui jouent à Battlefield 4? Bon, j'enregistre ça du coup. Moi, franchement, le dernier easter egg qui m'a fait le plus avec, sur la dernière carte qu'ils nous ont donnée, la carte communautaire, tu sais qui se passe en pleine forêt avec des hélicoptères de la guerre du Vietnam qui sont écroulés par terre. Ça dit quelque chose cette map? C'est la map où ils ont donné le coffret où tous les joueurs pouvaient aller récupérer l'arc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, peut-être ben, ouais. Et ben, en fait, tu sais, il y a un des spawns. À un des spawns, tu commençais avec l'hélicoptère. T'avais un hélicoptère, en fait, à un des spawns. Et c'est le spawn, je pense, américain, il me semble. Et en fait, l'hélicoptère, pour ceux qui sont fans des films de guerre, par exemple. Le film Apocalypse Now, tu te souviens de la scène où t'as le mec qui est en hélicoptère là, avec son chapeau des confédérés, et puis qui passe la musique à fond, la 5e symphonie de Wagner, quoi. Ride of the Valkyrie. Tu la vois cette scène dans le film? Et ben en fait, ils ont remis ça dans Battlefield 4. Dans cette map, tu prends l'hélicoptère au spawn américain, deux potes avec toi, qui monte à l'arrière aux grosses mitrailleuses sur les côtés. Et tu décolles à la verticale au plus haut possible. Et quand tu es au plus haut possible, tes potes, ils tirent sur le sol. Et là, à l'intérieur de l'hélicoptère, il y a la musique qui arrive. Et quand tu te rapproches des ennemis sur la map, ils entendent arriver la musique, quoi. Et quand tu repars, ils l'entendent s'éloigner. Jusqu'à qu'on te fasse exploser l'hélicoptère, quoi. Celui-là, il est énorme. Franchement, c'est le plus stylé qu'ils aient fait. Il y avait la grosse baleine, tu veux dire, qui était énorme. Putain, mon gars. Ouais, la grosse baleine. Bah, ils ont remis un requin dans Battlefield 1. Ouais, il est compliqué à faire aussi celui-là. Oui, il faut éteindre les trucs. Il faut ouvrir les torches. Les vannes, et puis il y a surtout passer le. Faut trouver le vinyle et puis le passer sur le phonographe. Ouais, on peut faire pas mal de. Il y a pas mal de wallbrech encore. Ouais. Au point B. Ah 24, oui. 7, 200%. Bon, du... Bah moi dans le jeu là quand je veux me téléporter sur un endroit un peu plus haut que je peux pas attraper, je me mets en classe soutien avec le mortier quoi. Et là où le machin il devient jaune, bah je peux y aller. tu fais croix, même si t'es en hauteur, il n'y a plus d'échelle, mais il y a le plancher au-dessus. Tu déploies ton mortier au-dessus de ta tête, quoi. Et puis dès que tu le vois jaune, tu fais croix, hop, t'es dessus, prêt à tirer. Tu t'enlèves du mortier, ah bah tiens, t'es monté sans échelle, c'est dingue. Oh, ça sert toujours.